jours pour le poisson. Il y a des règles culinaires pour les chefs et les mitrons. Et un accueil particulier qui est réservé aux cochons. Il y a des pieds que l'on déchausse et des crânes que l'on tend. Il y a des barbes pittoresques et des cheveux en tire-bouchon. Il y a des soucoupes sur les têtes et des points rouges sur les fronts. Et aussi des auréoles, légèrement en suspension. Dans ces sectes démodées que l'on appelle religion, il y en a qui se mettent à quatre pattes quand ils se posent des questions. Il y en a d'autres qui font les beaux pour avoir des solutions. Et les animaux s'étonnent qu'on leur pique leur position. Il y a des endroits un peu sombres, bien que très haut de plafond. Il y a des phénomènes bizarres autant que leurs explications. Il y a des rêves qui se réalisent, des miracles et des guérisons. Et des minants scientifiques qui passeraient pour des couillons. Dans ces sectes démodées que l'on appelle religion, il y a des femmes que l'on cache pour calmer les érections. Il y a des hommes avec des robes, plus souvent que des pantalons. Et d'autres assis en slip qui ne craignent pas la mousson. Il y a des excès y compris pour ce qui est de la modération. Il y a des hommes qui se secouent, d'autres en pleine méditation. Il y en a d'autres qui marmonnent ou qui hurlent, c'est selon. Bref, plein de gens qu'on jurerait sous l'emprise de la boisson. Dans ces sectes démodées que l'on appelle religion, il y a des langues mortes, des soupirs et des cloches dans les bandes-sons. Il y a d'inévitables promesses et d'indélébiles unions. Et la peur du ridicule qui est pas souvent dans la région. Il y a plein de choses qui feraient rire si c'était leur ambition. Il y a des personnages vedettes en manque d'authentification. Il y a un bonheur éternel qui demande confirmation. Et des appels illimités qui ont des problèmes de connexion. Dans ces sectes démodées que l'on appelle religion, il y a des jours pour la galette et des jours pour le poisson. Il y a des règles culinaires pour les chefs et les mitrons. Et un accueil particulier qui est réservé aux cochons.